Allez, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Cocor, il n'y a pas plus fort. Et aujourd'hui je vous propose un petit live improvisé avant celui de demain. Ce sera un live de gameplay sur le jeu de votre choix. Je vous retrouve pour un live improvisé du coup sur Undertale. Il y a quelques jours de cela, j'avais entamé avec vous ma toute première route génocide sur le jeu, donc qui consiste à tuer l'intégralité des ennemis, ce qui donne une fin alternative, enfin différente de la route neutre ou la route pacifiste, super pacifiste. Et donc voilà, lors du live précédent, j'avais fait avec vous, donc on avait fait les ruines et le trajet jusqu'à Snowdin ensemble. Donc depuis, entre-temps, j'ai joué un petit peu, donc j'ai combattu Sans, j'ai traversé les Waterfalls, j'ai combattu Undyne non sans mal. Et j'ai attaqué les Outlands, donc j'ai quasiment traversé toute la zone, mais il me reste juste à peu près 34 ennemis à tuer pour valider ma route génocide sur cette zone. Donc voilà, c'était pas un playthrough, ce n'est pas la suite directe du live précédent, ni même des précédents encore avant, vu que c'était des morceaux de la route trop pacifiste. Donc si vous voulez pas de spoil ou si vous attendiez une série, ne regardez pas cette vidéo, merci. Donc nous allons attaquer tout de suite, puisqu'on a du boulot. On va se faire chier, j'annonce. Puisqu'il y a beaucoup de mobs à tuer. Donc voilà, je suis à la fin du corps. Il y a Métaton qui m'attend juste au-dessus. Je vérifie que tout va bien sur le setup. Ça a l'air d'aller. Ah bah, le sponsor qui apparaît juste à ce moment. Voilà, il me reste 34 ennemis à tuer. Donc on va retourner en arrière et défoncer un petit peu tout le monde. Donc ça va faire un peu comme à Snowdin. On va se faire chier à marcher un peu partout jusqu'à ce que 34 ennemis nous affrontent. Donc j'espère juste que ce sera pas trop long. Je compte sur vous pour me tenir compagnie du coup. Vu que je vais me faire chier. Bon, pas trop complètement, faut quand même que voilà. Ok, très bien, je me fais agresser. Quand même que oh, je réagisse un minimum pendant les combats. Ça va être plus pendant les phases d'attente. Puis je m'habitue aussi à cette nouvelle arme. Ah, ça prévient maintenant. Dicozorus Rex is now auto-hosting you. Ça prévient quand il s'agit d'auto-host. D'accord. Ah, je pensais pas que ça cacherait une partie de l'écran. Mais ce n'est pas grave, j'avais fait exprès de mettre ça, enfin le fond, si on peut appeler ça un fond, un peu plus bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ceci là-haut, et il ne devrait pas y avoir ceci.
cette scène, on va sans doute pas s'en servir, mais dans le doute. Voilà. Ok, donc s'il y a des viewers de Geeko qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Prenez place. Nous allons farmer. Nous sommes déterminés à farmer. Je vais en profiter pour fouiller cette zone que j'avais pas trop fouillée au final dans la troupe pacifiste. Je suis passé peut-être à côté d'objets. Il y a 100 gold à l'intérieur. Est-ce que vous allez le prendre? Bah oui, évidemment. Vous obtenez 100 pièces. C'est vide. Bon bah, du pognon gratos. Je suis jamais allé par là apparemment. J'ai l'impression que c'est plus des ennemis traditionnels. Je sais pas s'ils sont spéciaux. On va les tuer quand même, hein, y a pas de raison. Pour peu qu'ils soient obligatoires. Salut Neko, j'ai pas eu le temps de tout lire mais j'ai vu ton message. Bonsoir, enfin tu joues à ce jeu. Oui, bah, j'ai joué déjà il y a bien longtemps. Mais plus récemment, j'y avais joué. Ça devait être le week-end dernier. J'ai dû y jouer. Je crois que j'ai joué vendredi. Ou samedi après-midi, je ne sais plus. J'ai joué vendredi ou samedi. Pareil. Une rencontre peut-être pas si aléatoire que ça. Et des mercenaires émergent des ténèbres. Ferme les yeux, Alakazam. Wouah! Non, c'est bon, là ça s'est un peu calmé, mais le début était assez costaud. Comment ça va, Neko, du coup? Es-tu déterminé à supporter ce live de l'ennui? Trop mal. Alakazam! C'est vrai que ça faisait pas mal de temps que je voulais la faire, cette route génocide, donc j'en profite. Vu que j'avais terminé Minecraft Story Mode, je peux passer à ça. Dans tous les cas, je l'ai pas vu. Tu fais la génocide? Oui, c'est ça. Et ça va bien. C'est ma toute première génocide. Ah, dans tous les cas. Je crois que je l'avais bien lu sur la correction, mais merci. Oups, 100 fois trop tôt. Alors que je m'habitue à faire des gros dégâts. Bon, ça va, au moins ces rencontres, ça permet d'avoir des ennemis assez rapidement. Plutôt que d'attendre 3 heures que ça tombe en combat aléatoire. Aucun regret. Oula. Angoisse. Je fais de la merde, tout va bien. C'est mieux avant, c'est les armes d'avant, ça allait plus lentement, mais je faisais peut-être moins mal du coup. Bah cette fois. Ah merde. Le passage était 3. Juste pour te prévenir, tu connais au moins la fin. Pas tant que ça. J'en ai vu des morceaux découpés un peu à droite à gauche. Et ça, ça mène où? Un bouton, je crains le pire. Bon, faisons demi-tour. Peut-être ouvert un passage. On va retourner vers le point de sauvegarde au cas où. J'actionne un truc, je sais pas ce que ça a fait. Ça va peut-être désactiver des pièges qui auraient dû être là normalement si j'étais pas en génocide. Sans doute. Deux mobs sont apparus. Ah! Complètement à côté. Vu qu'il allait rien faire au final.
Qu'est-ce qu'il arrose? Il s'humidifie. Et je t'expliquerai quand tu auras fini au cas où, si tu veux pas avoir de problème avec le jeu. Ok. 23 restants. On va continuer à explorer un petit peu. Final Frogget. Aïe. Juste se permettre de pixer un petit peu. Pas plus mal. Je sais pas si le combat contre Métaton est censé être compliqué, lui j'en ai pas trop de souvenirs. Je sais pas si c'est un con OS. Il y a un Glamburger. J'en ai déjà des trucs comme ça. Est-ce que c'était le truc à 500 qui soignait 60 ou est-ce que ça a rien à voir? Je voudrais pas faire une connerie. Limite que je retourne dans le magasin où, où j'en avais. Faire une petite recherche vite fait. Ça prendra 2 secondes plutôt que de retourner à l'ancien magasin. Le Glamburger. Ah non, ça soigne que 27 HP. Donc c'est nul. Ah, mais t'attends, il est assez compliqué. Ok. Bon, bah, on verra bien. Nous verrons bien. Bon, bah, laissons le Glamburger là où il est. Je sais ce qu'il y avait quelque chose à gauche. Un mini-jeu. Un mini-jeu déjà joué. Petite sauvegarde. Voilà, je reviens au début. Je sais pas s'il y a des combats dans cette zone. Peut-être pas. Salut Kiro, comment ça va? Kundine, je crois que j'ai dû faire peut-être bien... Je ne vais pas être loin de la dizaine de tentatives quand même. Hein. Je l'ai fait sur 2 jours. On va dire que la première fois, j'ai peut-être joué une demi-heure. Je suis réussi à le tomber peut-être un peu en dessous du quart de sa vie. Et le deuxième jour, j'ai dû faire au bout de la troisième tentative, j'ai dû y arriver. Ça va, ça va. C'est juste quand son rythme d'attaque accélère pas, sinon ça passe. J'ai tué Kid pour la dernière fois, bah du coup j'ai tué Sans et Undyne. Parce que l'autre fois c'était, on s'était arrêté à Snowdin. Je regarde tellement pas où je vais. On va faire repartir, je vais plus savoir où c'est. Bon, c'est en haut à droite. Hein. Plutôt haut à droite. Kiro. Bonjour moi, comment vais-je? Ah, c'est l'ennui, y a pas de combat. On se fait chier. Alors à croire que les combats il y en a que dans le couloir à droite. Genre que là. On va faire des traversées de pont. Ouais, ça, j'ai l'impression, ouais. Ah, en plus eux ils sont chiants. Pas trop mal. Farewell. Abracadabra. Après, ouais, il y a peut-être d'autres ennemis, des boss un peu moins majeurs. Mais en vrai, ouais, les majeurs, ça va être censé Undyne. Je vis dangereusement. Je suis omnipotent. Aïe.
Où mon lapin? Bon bah on va faire des allers-retours sur cette passerelle, hein, ça a l'air d'être le bon plan. Ou alors c'est la grosse coïncidence. Ah, j'ai bien l'impression que c'est le spot. À la caisse zone. Niveau combien, 14? Ça, c'est les ennemis qui vont vite qui sont bien. Les ennemis comme je les aime. Parfait. Deux attaques, deux morts. On gagne du temps. Allez, plus que 15. Sur place et me prendre le soleil. Tout à côté, et voilà, il va falloir que je fasse un troisième coup. Salut Fiascol, comment ça va? Du coup, t'as tué Papyrus, monstre. Enfin, j'ai pas le choix. Kazem. Je prends les coins les plus sympas. Je sens que tu hein? Oula. je sens que tu tues tout le monde avec la musique. Certes. Pour l'instant, je le tue plus avec. Je sais même pas quelle arme j'ai, à vrai dire. avec mon pistolet vide, très pratique pour tuer les gens. Mais après la chèvre maman, on n'est plus à une horreur près, c'est vrai. Ça va, ça va. Merci pour le follow, Thomas. Il n'y a pas cette longue série de chiffres. Bienvenue à toi. Si tu as des questions sur la chaîne, n'hésite pas. Oui, j'avais bien compris que tu parlais de musique. Ne t'inquiète pas. Ah, tu veux dire oui, que la musique est lente et que du coup, oui. Sinon, ça pouvait se voir sur l'intitulé du stream, mais belle remarque. Et bienvenue à toi, Fiascol. Merci pour ton follow. Prépare-toi à me voir mourir en boucle. Sur les boss. Je l'aimais bien, Toriel. Mais moi aussi, je les aimais tous très bien. J'ai eu de la peine pour le Lesser Dog. Mon dieu, des météores. Adieu. Ah bah bizarrement là il les a mis beaucoup plus loin.
peut-être pas régène à chaque combat. T'avais galéré contre Undying the Undying? Ouais, un petit peu quand même. Je pense que j'ai bien passé pour coller, ça doit bien faire 3 quarts d'heure, ouais. J'ai fait une demi-heure avant-hier, je l'avais tombé peut-être au mieux, un peu sous le quart de sa vie, et hier j'avais fait 3 tentatives et c'est passé. C'est pas fini. Non mais je dis ça car il l'a défoncé avec le sourire. Donc après Papyrus, c'est la routine. Je parle du chien armure, oui c'est celui qui allonge son cou à l'infini. Pas mal. Ah bah ça me rassure. Ça me rassure pour la suite parce que sans je le sens pas du tout. Le monstre. Je pense que les Sordogs, je lui avais allongé son cou, j'avais eu la motivation pour le faire je pense une 60aine de fois. On avait traversé 2 fois l'écran je crois. Au bout d'un moment ça venait plus, je lui ai allez. On va se quitter bons amis. C'est un peu le concept du génocide, tout à fait. Après, j'aurai tellement honte de ma route génocide que je vais faire la petite astuce pour reset la sauvegarde et pas avoir... pas avoir la fin... Oui, tu as sauvé tout le monde, mais en fait, non. Je n'assume pas. Ah! Donc tu lui as coupé la tête? À qui? à Papyrus, oui. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à découper. 70 fois, mais ah bon, après. Il grandissait plus. Ah si, il grandit, mais vu qu'il est hors écran, tu sais pas trop. Enfin, je crois. Hein. Je pense pas qu'il redépasse après. Bon, est-ce qu'on met à tuer? Je pense une dizaine. J'étais parti à 36. Heureusement, on a trouvé une zone où c'était pas tellement aléatoire et que ça spawnait toute allure. Ah non, il m'en reste 7. Ça va. Aucun commentaire, Kiro. Ah là là, que va-t-on faire de lui? Bien sûr, avec toutes les conneries que tu dis. C'est le meilleur endroit pour farm, je pense. J'avais fait ça aussi. Bah, si tu veux, en fait, juste avant que tu arrives, j'avais fait tout un tour de la zone. J'ai pas eu un seul. J'ai eu un mob sur le pont. J'ai fait tout le tour de la zone. J'ai rien eu. Je suis retourné sur le pont. J'ai eu un mob. À moins que tu parlais de l'autre pont. Enfin, il y a eu un autre pont bien plus haut où là, t'avais par contre un script qui déclenchait un combat. Et t'en as 3 ou 4 qui se déclenchent à même pas 3 mètres d'intervalle, quoi. Mais moi, je pense pas que ça revienne après. Je fais de la merde. Je suis jeté en plein dessus. C'était le piège. Ok.
mais tellement vite. Où est la sécurité? Kiro, il est tout mou, il est fait en caoutchouc. Je suis un gros mytho comme Pinochet. Ouais, ça va. T'as l'impression qu'elle est presque normale, cette musique. Ah, les musiques ouais, de Hotland et du corps, elles sont assez, elles ont un rythme assez rapide, donc du coup même ralenti, ça prend un rythme normal. Bah t'as limite une musique de Snowdin quoi, en rythme. Dégueulasse, alors que nous n'avons pas de pensée, nous n'avons pas ces pensées. Plus que deux! Le spaghetti. Le bon spaghetti qui colle. Pas un jeu de mots. Je sais pas si t'as vu Ah non, cette grenouille de l'angoisse. Je sais pas si t'as vu Kiro, les maintenant les auto-hosts sont indiqués. Au lieu de dire machin is hosting you, ça me dit maintenant machin is auto-hosting you. Comme ça tu sais si la personne est là ou si c'est du total random. Ah, qu'est-ce qu'ils ont mes spaghettis. Ils sont très bons. Pas comme ceux de Pyrrhus. Ah, c'est fini. Ah, la musique est tout de suite moins entraînante. La détermination. Allez, on va se faire pourrir. Spaghettis qui colle, il est où de chez moi. Je ne sais pas, Fiascol. Je réfléchis encore. Mon dieu, je vais finalement arriver jusqu'ici. Bah oui, même j'avais croisé personne en fait, j'ai dû tout faire ici. Après notre première rencontre, je réalise quelque chose de terrible. Tu n'es pas juste une menace pour les monstres, mais aussi pour l'humanité. Oh mon dieu, c'est un problème. Ça enlève du prestige. Je vais mettre mon réveil à les faire à la main. Tu vois, je ne peux pas être une star sans audimat, sans audience, sans public. Et il y a certaines personnes que je souhaite protéger. T'as toujours pas fait la génocide, Neko? Moi, enfin, moi, c'est vrai que j'ai tardé aussi. Y'a pas de jeu de mots, pas de douche non plus, apparemment. J'ai pas tout suivi. Ne touche pas ces boutons. Y'a quelque chose que tu n'as pas fait, apparemment. Comme chacun des vrais fans le saurait, j'ai d'abord été créé
Enfin, j'ai d'abord. Je devais être un robot destiné à éradiquer les gens. C'est seulement quand je suis devenu célèbre qu'on m'a donné un peu une image un peu plus photogénique. Pas compris non plus. Quoi qu'il en soit, ces fonctions originelles n'ont jamais été complètement supprimées. Rapproche-toi, et je serai forcé de te les montrer. Je sais pas, c'est une histoire à la Cocor, c'est sale. Comment ça, c'est sale quand ça parle de Cocor? Ma véritable forme. Voilà, je suis jaune. Tu es prêt? C'est l'heure du show. It's showtime. Je vais les sceller, mais tâtons Néo bloque le passage. Je pense que ce n'est pas fini, ou alors on m'a menti. Je suppose que tu vas pas rejoindre mon fan club. Bon ben... Je crois que c'est fini. Pas. Ça m'avait pris 5 heures de jeu pour le battre. Pas de suite. RIP. Rest in peace mes tâtons. Repose mes tétons en paix. J'arrive pas à passer cet ascenseur. Je fais très bien l'ascenseur. Ascenseur de l'infini. Quand même. Bon bah ça sent le sens. Du coup. L'ascenseur est en cours d'utilisation. Le New Hope et sa musique nostalgique. Pour l'instant, il n'y a pas trop de musique. C'est la tristesse. Ça sent le sang, ouais. À plein nez. Je crois qu'il n'y a rien dedans. Il y a juste un bâton. Je garde pour Neko. Ah, il y a les clés à trouver. Je sais même plus où elles sont. Est-ce que j'ai besoin de les trouver, en fait, à vrai dire? Salut, Cocor. Tu as finalement retourné à la maison. Est-ce que je suis censé faire des combats, ici? Est-ce qu'il y a des combats? Ça, c'est pas tellement un combat. Tu te souviens quand on jouait ici? Mon petit garçon, aujourd'hui, on va bien s'amuser. Non, je crois qu'il y a juste... Flowey qui parle. Ah bah voilà la clé. Perso, c'est la pacifiste contre Asgore où j'ai galéré. Après, je savais pas qu'il fallait le frapper. Ouais, moi aussi, j'ai mis du temps à me décider à le taper. Vous avez pris la clé, vous l'avez posée sur votre porte-clé de téléphone qui sert à rien. Ah, si on rappelait Toriel. Ah, c'est vrai, elle est morte. Je me souviens, la première fois que je me suis réveillé ici, dans le jardin. J'étais si effrayé. Je ne sentais plus mes jambes et mes bras. Mon corps tout entier s'était transformé en fleurs. Maman, papa, quelqu'un m'aide. Ai-je crié. Mais personne n'est venu. But nobody came. Il y a un genre de serrure en forme de cœur à l'intérieur de la boîte. Ou un cadenas, je ne sais pas. Ouais, je le prends. Je porte trop de choses. Est-ce que c'est nécessaire? Il y a un couteau dedans. J'ai la clé mystère. Est-ce qu'elle me sert à quelque chose? Je sais même pas si je l'avais déjà eu sur l'autre run.
Ça me fait chier de... Ah mais non! Gérard, ça me fait chier de... jeter un de mes objets de soins, donc dans le doute. On va servir du coffre pour une fois. Alors, on va se faire trois places. C'est une armure, la meilleure je crois. Ok. Ah, loquette, alors peut-être que je confonds avec autre chose. Armure, ah oui, défense 99, c'est pas trop mal. J'ai mieux fait de pas passer à côté. Vous pouvez la sentir battre. Je sais même pas si elle y est dans la run pacifiste, cette armure, parce que ça me dit rien, un truc de 99 d'armure. Bon, je pense que ça sert à rien de vérifier l'armure que j'avais avant, je pense que c'était moins bien. Ou tutelle. C'est pas assez explicite le fait qu'il faut le frapper. Juste à sa place. Crois que je suis au niveau maximum parce que j'ai 50 000 d'XP et je passe au niveau suivant donc à 49 999. On va prendre le couteau. Le vrai couteau. Ouais, je pense que c'est les meilleures armes et armures, hein, 99-99, ça me semble pas trop mal. Ok. Elia, je crois, même me rappelait pas qu'elle était aussi cheat. Oui, ça se trouve, elle a peut-être des stats différentes. Peut-être adaptées à Sans. Au bout d'un moment, le roi m'a trouvé en train de crier dans le jardin, en train de pleurer du moins dans le jardin. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, et ensuite il m'a dit le corps. Non, alors, il m'a porté, je pense, ou un truc comme ça. Avec des larmes dans les yeux, disant là, là, tout va bien se passer. Il était si rempli d'émotions, mais pour certaines raisons. Je n'ai rien ressenti. Bout d'un moment, il y a un message qui est apparu qui disait You must fight, ou c'est un truc du genre. Oui, peut-être. Impossible, ça me paraît pas déconnant. C'est un trophée! Message rouge. C'est sa chambre, je crois, non? Il n'y a pas le détail des lieux. C'est juste une chaise. C'est moi, Cocor. Ouais. Je crois que je suis passé par pas mal de lectures. Alors qu'est-ce que... Alors ouais, la Mystery Kid, du coup je sais pas ce qu'elle ouvre. Ça se trouve je l'ai mais pour rien, parce que j'ai pas trouvé la serrure alors qu'elle était avant au lieu d'être... Après. Bon là il me demande pas... Enfin il me donne pas de personne restante, de toute façon il n'y a pas de combat donc ça sera vite vu. Et j'ai déverrouillé la chaîne. La date à laquelle je suis venu ici. Allô? J'arrive pas à descendre les escaliers, tout va bien. Eh oui, j'ai mangé la tarte. J'ai tout de suite réalisé que je ne ressentais plus rien à propos de qui que ce soit. Ma compassion avait disparu. Et crois-moi. Pas comme si j'avais pas essayé. J'ai gaspillé des semaines avec ce roi stupide en espérant en vain que je ressentirais quelque chose. La clé sert pour la maison à côté du fantôme. D'accord, ok. Et il y a un intérêt particulier. mais ça en était trop pour moi. Je me suis enfui de la maison. J'ai finalement atteint les ruines. À l'intérieur, je l'ai trouvé.
Où j'ai trouvé Cocor, du moins. Où je l'ai trouvé, elle, Cocor. J'ai pensé que parmi tous les gens, elle pourrait m'aider à me sentir bien à nouveau. Mais elle a échoué. Ok. J'ai réalisé que ce C2 était inutile. Et je suis devenu despondant. Je voulais juste aimer quelqu'un. Je voulais juste me préoccuper de quelqu'un. Ou m'occuper de quelqu'un. Cocor, tu ne croiras peut-être pas, mais j'ai décidé que je n'avais plus de raison de vivre. Pas dans un monde sans amour. Pas dans un monde sans toi. Alors, j'ai décidé de suivre tes pas. J'ai voulu m'effacer de l'existence. Et tu sais quoi? J'ai réussi. Pour moi, tu peux le dire, les autres, je sais pas. Alors que j'ai laissé ce... le corps sans vie, je ne sais pas, Mortal Coil. J'ai senti de l'appréhension. Si tu n'as pas d'âme, qu'est-ce qui se passe lorsque tu... Quelque chose s'est mis à brûler en moi. Non, j'ai pensé, je ne veux pas mourir. Ensuite, je me suis réveillé. Comme si c'était un mauvais rêve, un cauchemar. J'étais de retour au jardin. Ok. Pour rien, j'avais pas envie de les buter, sauf Alphys. De retour à mon point de sauvegarde. Ok, oui, j'étais retour au jardin à mon point de sauvegarde. Intéressé, j'ai décidé de faire des expériences à nouveau, encore et encore. Je me suis retrouvé à nouveau, enfin je me suis retrouvé aux portes de la mort, à n'importe quel point. J'aurais pu laisser ce monde continuer sans moi. Mais aussi longtemps que j'étais déterminé à vivre, je pouvais revenir. Impressionnant, n'est-ce pas? J'étais impressionné aussi. Au début, j'utilisais mes pouvoirs pour le bien. Je me suis fait ami, enfin je suis devenu ami avec tout le monde. J'ai résolu tous leurs problèmes sans souci. Leur compagnie était amusante pendant un moment. Alors que le temps se répétait, tout le monde s'est révélé prévisible. Qu'est-ce que cette personne dirait si je lui disais ça, ou un truc comme ça, ou si je leur donnais ça? Qu'est-ce qu'il dirait Qu'est-ce qui se passerait si je leur disais ça ou un truc comme ça? Une fois que tu connais la réponse, c'est ça. C'est tout ce qu'ils sont. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout bien traduit, je pense. Tout a commencé parce que j'étais curieux. Curieux de ce qui se passerait si je les tuais. Je n'aime pas ça, je leur ai dit. Je fais juste ceci parce que je dois savoir ce qui se passe. Elle a le même pouvoir que toi. Elle peut charger et sauver la partie. Le relou sur la partie des énigmes, elle n'arrête pas de harceler. S'est trompée sur plusieurs énigmes, elle a activé tous les pièges pour se faire remarquer, etc.
Quelle excuse. De toutes les personnes que je connais, c'était libérateur d'agir de cette manière. Au final, nous sommes bien meilleurs que tous ces types. Et regarde ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe, je ne sais pas. Ces personnes pathétiques qui voulaient le voir, hein, Butterdrick, mais qui sont trop faibles pour le faire eux-mêmes. Traduction approximative. Je vais m'abstenir de traduire cette phrase. maintenant tout cela devient épuisant, tu comprends, Cocor? J'ai fait tout ce que le monde avait à m'offrir. J'ai lu tous les livres, j'ai brûlé tous les livres. j'ai gagné tous les jeux, j'ai perdu tous les jeux. J'ai apaisé tout le monde, j'ai tué tout le monde. Vu tous les chiffres, toutes les lignes de dialogue, je les ai tous vus. Refiascole. Mais tu es différent. Je n'ai jamais su te prédire, Cocor, on va dire. Quand je t'ai vu dans les ruines, je ne t'ai pas reconnu. Je pensais que je pouvais te faire peur et ensuite voler ton âme, mais j'ai échoué. Et quand j'ai tenté de charger ma sauvegarde, ça n'a pas marché. Cocor, ta détermination, d'une certaine manière, est plus importante que la mienne. J'ai juste une question pour toi, Cocor. Comment est-ce que tu es revenu dans les ruines depuis cet endroit? Attends, je sais. Elle a dû t'emmener quand elle est partie ou un truc comme ça? Et de te donner un propre burial, je sais pas ce que c'est. Au lieu de t'enfermer, je pense, dans les dans le sous-sol pour toujours, dans la cave. Il parle beaucoup. Oui, c'est un gars. Mais c'est une fleur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait... Qu'est-ce qui t'a réveillé? Est-ce que tu m'as entendu t'appeler? Ce n'est plus le souci maintenant. Je suis fatigué de tout ça, Cocor. Je suis fatigué de tous ces gens. Je suis fatigué de ces endroits. Je suis fatigué d'être une fleur. Une. Cocor. Il me reste plus qu'une chose à faire. Finissons ceci comme ça. Non, finissons ce que nous avons commencé. Libérons tout le monde. Et ensuite... Let's. Laissons-les voir ce qu'est vraiment l'humanité. Dans ce monde, c'est toujours tuer ou être tué. Bon, tu sais, Nico, t'as vérifié. C'est un transsexufleur. Oui, mon dieu. Juste fais le jeu, tu comprendras. Alors, bien, je... Je me suis bien diverti en utilisant ce pouvoir. Mais te voir ici a changé ma pensée au corps. Je pense que si tu es là... Vivre à la surface n'a pas l'air si terrible. Nous n'avons pas besoin de quitter cet endroit pour les avoir cette fois-ci, ou un truc comme ça. Le roi a déjà enfermé 6 d'entre eux.
J'ai essayé de 100 man... enfin, j'ai essayé des centaines de façons. De me les montrer ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais il ne l'a pas fait, Cocor. Je sais qu'il le fera pour toi. Salut! Salut Valentéo, comment vas-tu? Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Cocor, comme je l'ai dit auparavant, après cette fois, tu es le seul qui me comprenne, tu es le seul qui me comprend. Pas pitié de moi ou un truc comme ça, je ne sais pas. Les créatures comme nous n'hésiteraient pas à tuer les autres. Si nous avions d'autres façons de faire aussi, je pense, un truc comme ça. Donc c'est pourquoi... Je ne tiens plus en place. Qu'est-ce que c'est? Ce sentiment? Pourquoi est-ce que je tremble? Hey, Cocor! Y a pas d'arrière-pensée ou un truc comme ça? Ne pense pas les choses si terribles. Qu'est-ce que tu fais? Repars! Ou un truc comme ça. Retourne-toi. Je ne sais pas. J'ai changé mon opinion à ce sujet. C'est plus une bonne idée. Tu devrais repartir, Cocor. Cet endroit est très bien comme il est. Hâte de faire cette sale tronche. Ce n'est pas drôle. Tu as un sens de l'humour comme celui de Kiro. Elle dit que les gens comme eux n'hésitent pas à tuer les gens sur leur chemin. Très bien. Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure de décéder. Non. Bakoff recule. Coucou. Salut. Tu as été très occupé, n'est-ce pas? Il a peur. Alors j'ai une question pour toi. Bon, je suis rassuré dans le sens où Goz, il a dû faire 3 ou 4 lives pour battre sens. Donc si je n'y arrive pas aujourd'hui, ça ira. Est-ce que tu penses que la pire des personnes peut changer? Que n'importe qui peut être une bonne personne s'ils prennent la peine d'essayer? Non. Recte le first try. Non. Et c'est le seul qui a... Je n'y ai rien pensé. Très bien. Voici une question plus facile. Est-ce que tu vas avoir un mauvais moment? Je sais pas si ça se traduit comme ça. Est-ce que tu veux passer un sale quart d'heure? Parce que si tu fais un pas de plus, ne vois vraiment pas ce qui va se passer. Oui, je pense. C'est fortement probable. Très bien. Désolé, vieille femme. C'est bien pour ça que je ne fais jamais de promesses. Ah, je pense qu'il parlait de Toriel en fait. Ah, Toriel. C'est une belle journée. Gus avait galéré très drôle à voir. Moi j'avais dû voir juste, pense, des clips ou des petits gifs, je ne sais pas. Les oiseaux chantent, les fleurs. C'est quoi pendant ce temps-là à Moulinsart? Le parfum, non, le gazouillis des fleurs, le parfum des oiseaux. C'est tout à fait ça. Le bas de Tom. ces jours-ci, les enfants comme toi devraient brûler en enfer. Ouh. Ok, je ne connais absolument pas le boss, ça se voit pas du tout. Ok! J'ai pas passé la première attaque, tout va bien. Notre destin dépend de toi, reste déterminé. On va essayer.
C'est reparti. Donc ok, donc vers le haut, après faut faire une esquive de la vague de l'angoisse, après faut être un coup au centre, un coup au bord, un coup au centre, ou dans... on commence par l'autre, je ne sais plus. Bref, je suis dans la merde. C'est même pas sûr que ça passe à la deuxième fois. On va tenir le compteur parce que moi je... ça va me faire chier. Les meilleurs moments. On peut pas skip. Oui, petit chat. Tu vas avoir un mauvais tome aussi. Le cœur bleu, parce que je l'ai pas du tout fait de la génocide, donc je crois que c'est genre B, enfin la touche de validation pour sauter. Non. Ah non, c'est vers le... c'est vers le haut, très bien. Non, là c'était vers le bas. Il me reste un pavé. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens n'utilisaient pas leur attaque la plus puissante dès le début. C'est... ça fait sens. Bon, bah, on va commencer par un héros légendaire. Hein. De toute façon, la clé, je pense pas qu'elle me servira beaucoup. Mogolo Vonio. Mais c'est que ça me soigne pas tout, c'est vrai. mon attaque augmentée de 4, mais bon, si j'ai jamais l'occasion d'attaquer. Ah, mais oui, c'était vers le haut pour sauter, d'accord, l'angoisse. Ça s'est pas super bien passé, on va réutiliser un héros légendaire. De toute façon, je crois que le fait de l'attaquer ne sert strictement à rien. Ça fait... il esquive tout et ça ne fait pas spécialement progresser, même de lancer une attaque qui échoue, je pense. Faut juste survivre. Non, c'est bon, Neko. Ah, merci d'avoir changé la couleur, Valentéo. Ou alors elle s'est changée toute seule, je ne sais pas. Non, là, faut pas que je bouge. Ah, là, c'est dans l'autre sens. Très bien, je me prends tout ce qu'il faut. Je me prends l'intégralité des attaques, tout va bien. Ok. Oh. Ah oui, c'est vrai que je peux aussi me déplacer sur le côté accessoirement. Voilà, il y a le truc à éviter à la fin. Et encore à la fin. Bon, ça va, je suis pas mort malgré que je me suis pas soigné. J'ai toujours ma clé, on sait jamais, elle peut servir à rien. Ce saut tout pourri. Ok. Il va falloir que je mette une autre touche pour le haut, je pense. Parce que je vais pas m'en sortir. Changer de couleur pour vous piquer les yeux. Bon, en fait, non, c'est beaucoup plus lisible. Et si tu loupes ton attaque, ça compte pas. Si tu dois attaquer, si tu manges, ça compte pas, d'accord. Ok. Si tu fais le check aussi. Mais bon, vu que je perds plein de vie, je suis allé un petit peu plus loin. J'ai passé la première attaque et quelques autres. C'est surtout que j'ai eu l'occasion de me soigner. Mais je sens que je vais pas beaucoup attaquer comme c'est parti. Tu as des goûts bizarres. J'ai juste retenu le fuck you. Cette expression, c'est l'expression de quelqu'un qui est mort deux fois à la suite. Cocor, si tu as pas vu, regarde l'Underpants April Fools. Mais je regarderai après du coup. Je dois prendre le moins d'items possible. Ouais, mais faut aussi que je survive. C'est... je pense que c'est aussi pratique, ça. Je ne regarderai plus jamais de la même manière. Et pourquoi pas un troisième try? Bah oui. Mais tu sais, si tu es conscient que c'est la troisième fois que j'essaye, tu es obligé de te répéter. Ah, pardon, ok. Je retire ce que j'ai dit. Non, c'était après qu'il fallait aller en bas. Bon, bah, on va quand même utiliser un objet de soin. C'est une belle journée, pourquoi pas de se relaxer. Ouais, mais là je vais quand même me soigner parce que un PV je le sens pas tellement. Là je pense qu'après cette attaque, je peux éventuellement envisager une attaque de ma part. C'est considéré que l'attaque elle est réussie à partir de quel moment? Faut que je sois en plein centre ou il y a une certaine zone de tolérance? Si tu l'attaques...
ça ne fonctionne pas. Quand tu te touches, ta vie devient violette, tu perds la vie petit à petit jusqu'à 1. Donc n'oublie pas de te soigner. Comment ça, si j'attaque, ça fonctionne pas? Donc encore après, tu le feras sans te prendre aucun dégât la première attaque. Oui, c'est certainement probable. Là, c'est juste qu'en fait, il a pas fait son dialogue aussi long que tout à l'heure et du coup, ça m'a surpris. Bah, je l'ai senti qu'il avait arrêté son dialogue, mais c'était déjà trop tard. Qu'est-ce qu'elle me dit, Neko? On me dit faut l'attaquer, après on me dit faut pas l'attaquer. Je ne comprends plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je reprends dans un peu plus haut. Si tu dois l'attaquer, si tu manges, ça compte pas. Mais en fait, c'est Fiasco et Neko qui soit se contredisent, soit qui ne parlent pas du tout la même chose. Non, fallait pas. Non, je fais l'inverse de ce qu'il faut faire, tout va bien. Bon, alors on va se soigner par contre. Oui, ça j'ai déjà lu. Ah, c'est des attaques un peu chiantes, il faut sauter très haut, mais pas trop. Bon, on va tenter une attaque. Nos rapports indiquent une profonde anomalie dans l'espace-temps. Je vais profiter que j'ai des HP de poison. Est-ce qu'il faut que je fonce? Ouais, peut-être que j'aille assez vite pour pas me prendre la barre. Est-ce que je retombe plus vite si je fais pas? Je ne sais pas, je peux le temps de voir. En gros, attaque-le, c'est tout, mais il esquivera, mais prendre des soins n'avance pas le combat. On est bien d'accord. Là, je vais quand même m'en prendre un. Parce que bon, je me dis que je vais pas réussir à esquiver la plupart de l'attaque deux fois de suite. Ouais, on va tout traverser, tant qu'à faire. Voilà, je m'en vais à gauche au cas où. Je sais pas si c'est là que je dois aller, mais j'y vais quand même. Ah, loupé. Attaque-le, au bout d'un moment, il se fatigue. Ouais, ça, je... Même si je l'attaque pas, c'est juste à son attaque finale que tu pourras lui faire des dégâts. Pas la peine de spoil tout le combat, on n'y est pas encore. Mais après, je l'ai vu moult fois le combat de sens. C'est juste que je l'ai pas pratiqué, donc forcément, les attaques, je les connais, mais je sais pas encore les esquiver. Attaque le sang, t'arrêter. Oula, pardon. J'ai voulu parler et faire autre chose en même temps. Ça m'a pas réussi. Vu qu'il demande quand il peut attaquer, après, j'ai rien dit du reste. Oui, je sais que c'est une série d'esquives, mais du coup, vu qu'on fait pas de dégâts concrètement, la question c'était, est-ce que le fait de manger fait avancer le pattern, enfin les patterns de combat, et est-ce que du coup, il y a vraiment une progression ou pas? Et troisième mort. C'est un combat sans souci. Sans souci. Il fait beau. Tu es prêt? Ouais, ok, cette fois-là, on discute pas trop. Bah, j'ai du mal avec celle-là. Oula, pff, je m'emporte. Je fais de la merde. Bah, je prends tout. Ah bah oui, forcément, je prends le tech de l'autre côté. Ah, merde. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille vers la droite, en fait, ou vers la gauche pendant cette attaque, en fait? Parce que le délai pour sauter et retomber pour plus bouger est peut-être assez court. Bah, peut-être que je bouge sur le côté. Aïe. C'est le grand que j'arrive pas à anticiper, puis en plus j'ai tendance à... Je pense que ceux-là, je vais les faire avec le clavier. Oh, je peux attaquer. Tu as le sens de l'humour. Cette attaque est horrible. Ce combat est sensationnel. Oh, comme c'est bien visé. Mais ça ne sert à rien. Il est sensationnel. Oh, j'ai oublié de sauter. C'est ballot.
que j'ai eu raison de pas me soigner. Eh ben non, j'ai eu tort. Bon, je crois que je vais me soigner juste pour apprendre les patterns pour l'instant. Et si jamais je fais des esquives parfaites, j'en profite pour attaquer. J'ai pas fait gaffe, ma vie elle passe toute violette dès que je prends le premier hit ou c'est genre la moitié, je fais pas trop gaffe. J'ai pas le temps de voir. Cette expression, on dirait l'expression de quelqu'un qui est mort quatre fois. Et à la suite, Quice, Fries. Nous n'utilisons plus ces expressions depuis des années. Est-ce que tu es prêt? Oui. J'ai jeté un peu tôt. Non, ça va, il me reste un peu de jaune, là. En jeu de mots. Il me reste un petit peu de whisky. Non, c'est du Ricard, mais c'est pas grave. Tout va bien. Je suis sain d'esprit. Ok, trop haut, trop bas. Là, je suis sur le côté. Ouais, formidable, j'ai tout touché. Il y a du progrès. Et si je sautais trop haut, en fait? Non, parce que même quand je suis en l'air et que je retombe, ça compte pour du bouger. Ça au clavier. Ah, il me reste un petit peu de jaune. Allons-y. Une baigne. Bon, les plateformes, quand même. Je pense que c'est un peu plus safe au joystick, même si je touche quand même. Bon, on va continuer, hein. J'ai de la vie jaune. Lâchant que ça va être chiant. Bon, ça va, c'est encore les plateformes. Ah, c'est ça que j'ai du mal. Et si je me fais... Ah ouais, je me fais juste tomber, ça passe. Par contre, faut que j'aille vite après, sinon c'est l'angoisse. Quand tu te fais toucher, ta vie jaune descend un par un rapidement. Et tu restes un point de vie... Un point de vie jaune. La barre violette descend quand tu te prends les dégâts. Et auto aussi. J'ai absolument rien compris. Je joue à la manette, ouais, pour les diagonales, sinon j'y arrive pas. Le clavier est essentiel pour sens. Je m'en sers surtout pour le corps rouge et pour les sauts. Je vais essayer full clavier quand même. Si les sauts, j'arrive à les gérer. Parce que c'est vrai, oui, le fait que c'est la flèche vers le haut pour sauter et pas A, ça change pas mal. Je comprendrai tout seul. J'ai déjà compris un ou deux trucs, donc ça va. Hop, je vais prendre même les deux mains. C'est parti! Bah, je vais me soigner. Bon, on va y aller. J'avais un doute sur la touche pour attaquer. C'est la même que pour valider. Non. Non. Faut que je synchronise mon cerveau. C'est juste, ça va prendre peut-être quelques heures, mais ça se fera. Avec la planète, c'est trop hardcore. Autant de dogs de sens en ce moment, beaucoup. Tente de mettre ton joystick de droite à gauche prend trop de temps. Après, c'est pour les diagonales que j'ai eu mal. Là, je ne sais plus. Non, pas assez haut. On est pas mal. Oh, bien visé. Mais ce n'est pas assez. Là, c'est ça que je crains au clavier, en fait. Oula. Oh, ça va. Ça se fait. Quand soudainement tout se termine. Bah si, pour sauter à gauche, c'est pratique les diagonales.
Re tout le monde, ou re juste Neko, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous l'avez tous dit en même temps, est-ce que ça coupe? Faut que j'aille vite, faut que j'aille vite, faut que j'aille vite. Ah! Oh! Je m'impressionne. Ouais, ça se passe mieux au clavier quand même. Ouais. Bon, ça, je perds trop de temps. Point d'interrogation. Là, ça me diffuse des petits wisps. Ça n'a pas coupé chez moi. Ah, j'ai l'impression que je m'en sors mieux. Tu répondais au vrai. Ok. Que je surveille ma vie quand même, de temps en temps, je vois que je suis qu'à 28. C'est de ta faute, n'est-ce pas? Où dois-je aller? Ah non! Non! Alors, en bas, je suis bien. On va soigner un petit peu. C'est quelle touche pour skipper les dialogues plus vite? Je prends plein de dégâts, c'est la merde. On va se re-soigner un coup. Je sais pas quelle est la touche de skip par défaut. Calmez-vous. Oh, encore? Non mais je suis mauvais à ça. Faut pas me donner ça. Oui, il faut que je bouge aussi. Je prends tout ce que je peux. Aïe. Là, du coup, je me dis que j'aurais mieux fait de prendre les hamburgers, en fait. Encore que. Forcément, si j'ai pas le doigt sur entrée... Ah, comme ça me semble pas mal. Presque. Ça se fait. C'est loin d'être le truc pire. Ah non, j'ai mis trop de temps à retomber là. On va peut-être faire un petit soin, mais il va plus m'en rester beaucoup. Ah, j'ai cru que j'avais loupé la plateforme. Non, fallait pas sauter. Ah bah c'est bon, j'ai survécu. Ah y'a, je peux taper n'importe où. D'accord. Mais y a rien de timé dans le combat de toute façon. Je fallait pas sauter. Je me suis bien jeté sur l'eau, ce limite. Trop. Je peux taper n'importe où. Ok. Je vais me soigner avec la clé. Non, surtout. Ah, comment on annule? Comment on quitte? Et c'est quoi la touche retour sur le clavier? Je vais faire A, ça sera plus simple. Voilà. En attendant de connaître la vraie touche. Je sais pas avec WXCC que ça joue ou un truc comme ça, de base. Oups. C'est Shift? Ah, j'ai l'impression que ça faisait rien. Reste déterminé. X. Shift. Vous dites tous une touche différente. Ouais, le menu c'est C. Je quitte avec X. Et du coup, je skip le dialogue avec quoi? On va sauvegarder si tu veux. Ouais. C'est cette touche-là pour skipper. D'accord. Donc c'est X. Et du coup, je peux attaquer avec W aussi, je suppose. Non. Avec A, Z, S, Z. Ah oui, parce que je suis en AZERTY, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Eh ben, on va se mettre en QWERTY. Si j'arrive. Merci pour le follow, Valenteo.
Bienvenue à toi, merci. Si tu as des questions sur le fonctionnement de la chaîne, n'hésite pas. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi à passer en... Un QWERTY. X pour skip aussi. X aussi pour skip. Pense que je perds du temps de vie violette. Oui, après peut-être que ça marche aussi, mais tout à l'heure j'ai fait shift, j'ai l'impression que ça faisait rien, mais je l'ai peut-être fait trop tard aussi. Voilà. Alors je vais quand même mettre mes deux mains sur les flèches pour... J'ai failli m'oublier. J'ai du mal à voir la hauteur pour l'instant. Ah oui, shift marche. Non, non, je ne veux pas. Je veux attaquer. Mais si, ça me fait plaisir du coup. Bon. J'y arrive pas à celle-là. J'y arrive pas. Je prends tout. Je prends tout. Je prends tout ce que je peux prendre. J'essaye de trouver des meilleures strats, mais au final, elles sont toutes pires. Aïe. Aïe, je suis allé un peu trop devant. Best soundtrack ever. Non, Toto. J'attends, je sais pas pourquoi. Non, mauvais. J'ai pris le meilleur chemin là. Procrastiner vers le bas, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Peut-être me soigner un peu. Oh non, pas ça. Ah, j'aime pas. J'aime pas cette attaque. C'est la pire. Avec les trucs bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Non, on saute pas dedans. Je vois un tir, il faut que je me jette dedans. Je dois me sacrifier. Salut Super Ray. Tu vas réussir maintenant que je suis l'homme. Bah oui, évidemment. Oh non, pas ça. Ah oui, t'as raison, Super Ray en fait. Oh, sinon, je parlais trop vite. Oh, non, je fais n'importe quoi. J'appuie sur des touches, ça ne fait rien. Forcément, si j'appuie sur le bas... Ah là, je l'ai bien suivi, l'os. Je l'ai bien raclé autant que je pouvais. Jusqu'à la moelle. Pourquoi j'ai mangé la tarte? Bah parce que j'avais faim. Oh, nié. Je faisais un pique-nique avec Undyne. C'est là que je l'ai mangé. Oula. Ouah. Aïe, aïe. Je crois que je n'ai plus rien. Dès le premier. Sans eux, le jeu Discord. j'y vais, bye tout le monde, salut à toi Fiasco, merci d'être passé, à très bientôt peut-être. Je stream à quelle heure? Alors les streams réguliers, parce que là c'est un live improvisé, c'est jeudi 20h, ou 21h selon si c'est une découverte et faut que j'installe le jeu et compagnie, mais en gros 20-21h. Samedi 10h du matin pour du Final Fantasy VII mode New Threat, un petit play fou. Le dimanche à 14h pour du gameplay, et jeudi, comme demain, c'est une semaine sur deux découverte, une semaine sur deux gameplay. À très bientôt, des bisous.
manger une... En gros, tu t'es mangé une tarte de la part d'Undyne, c'est un peu ça, même plusieurs. 1h du mat? Non, peut-être pas. Juste ajuster la connexion vite fait. En ce petit temps. Tout va bien se passer. Mais oui, évidemment. Je repasserai si tu es toujours en live. Bah, 1h du matin, je le serai plus, je pense. J'ai attaqué à 7h30, je crois, donc je vais sûrement finir à 9h30. Encore une quarantaine de minutes. Ah ok, j'ai pas eu envie de redescendre. Non, c'était en bas. J'ai tout oublié. Trop tôt. Trop tard du moins. Ouais, je crois que j'ai trouvé une strat pas trop dégueulasse, même si je l'ai totalement pas appliquée. Mais j'ai peut-être la solution à tous mes problèmes. Enfin, ce problème-là, plutôt. Parce que pour tous, il y a du chemin encore. Merci, je peux vous lire quand j'ai pas de HP violet. Ah bah là j'en ai en l'occurrence. Faut que j'attende le nonos. Voilà. J'ai du HP violet donc j'y vais. Non, faut pas que je monte trop haut. Je fais de la... Oh putain, je peux pas manger. Je fais n'importe quoi. Je suis obligé de soin. Bon, je suis... Ah bah, trop tard. Non. J'ai appuyé sur gauche et droite en même temps. Heureusement, j'ai pas bougé sur la verticale. Tu vas bientôt réussir le début sans te manger de dégâts. Ouais, ça a l'air bien parti là, je le sens bien. Sans se me manger, oui. Ah merde, c'est pas une bonne idée de rester sur les plateformes. Faut essayer de tomber le plus vite possible en fait, ou juste sauter par-dessus le truc du bas en fait. Je suis allé beaucoup trop haut, alors qu'il me suffisait sans doute de pas sauter. En fait, je pourrais rester là, mais faut que je saute assez haut non plus aussi quand même pour pas tomber direct. Pff, beaucoup trop haut. J'ai l'impression qu'au joystick je pouvais mieux contrôler la sensibilité, c'est peut-être complètement une illusion. Ouah. Non, je suis resté pas assez longtemps. Non, il fallait pas que je monte. Là, il y en a deux à la suite. Ok. Ouais, donc ça marche pas forcément. À tous les coups. Ça s'est bien passé. Je le vis bien, au bout de 78 essais. Ouais, c'est ça, je vais y arriver au bout. Et encore, je sais même pas, ça se trouve, je vais jamais y arriver. Je vais juste limiter la casse, mais toujours m'en prendre un peu. Non, fallait pas que je descende. Mon golo. C'est mon dernier. Fallait pas que j'aille en dehors du centre. Je n'ai plus de soins, tout va bien, j'ai pas passé la deuxième phase.
on considère que la première attaque est une phase. Just do it. Bah, j'ai cru que j'étais trop haut, mais c'est passé. Ah, j'ai passé une phase. Tu esquives super bien, ou un truc du genre. En 2 secondes pour vous lire. Discount 78. Just to eat. Touille-le, touille la soupe. Écoute. Je sais que tu m'as pas répondu auparavant, mais... Quelque part ici, je peux le sentir. Il y a un soupçon de bonne personne au fond de toi. La mémoire de quelqu'un qui a déjà voulu faire la bonne chose. Oui, j'ai fait la troupe pacifiste juste avant. Juste avant. Quelqu'un qui, à une autre époque, à un autre temps, a été un ami. Allez! Tu te souviens de moi? Bah oui. Je t'ai pas oublié. S'il te plaît, si tu m'écoutes, oublions tout ceci, ok? Pose juste ton arme et... bien... mon travail sera beaucoup plus facile. Je sais que c'est la grosse arnaque, mais est-ce que juste pour le LOL et juste pour la culture générale de ce que ça fait, est-ce qu'on tente de le spare? À moins que ça fasse foirer ma route génocide et que j'ai tout le jeu à recommencer. Je demande à tout le monde, vous prendrez la responsabilité de que je recommence la route génocide. Au pire, j'ai ma sauvegarde, éventuellement, je peux peut-être la charger. Mais juste, qu'est-ce que c'est nos risques de spare? Je sais que ça va foirer ça va m'entraîner un game over, c'est très certainement. Mais juste pour voir ce que ça fait. Ce qu'il dit, ou ce qui se passe, ou ça se trouve, il y aura juste écrit Game Over. Mais du coup, vous dites plus rien. Ou celle-là. Allez. Tu m'épargnes. Au moins un. Finalement. Je sais à quel point ça doit être dur de faire ce choix. De revenir sur tout ce que tu as fait. Je voudrais que tu saches... je n'oublierai pas ça ou un truc comme ça. Oh, je suis décédé. Non, c'est pas avec le peu de vie que j'avais que j'allais first strike tout le reste du combat. L'expression de quelqu'un qui est mort 8 fois à la suite. C'est le nombre de doigts sur une araignée. Mais bientôt... bientôt, ils auront trop de doigts. J'ai sauté beaucoup trop tôt. Ok, je vais décider ma première attaque, tout va bien. J'y arrive de mieux en mieux. J'ai trop anticipé. Aïe. Ah, j'ai oublié ma strat. Ouais. C'est pas trop au point encore. Euh,
Lightbox, c'est juste le pixel du centre, c'est ça? Du cœur? C'est pas tout le cœur, sinon là j'aurais pris plein de coups. Je voulais savoir si c'était genre le centre, la pointe, le creux du truc. Oui, j'ai déjà vu Temi et sa boutique. Par contre, je l'ai zappé sur la génocide en fait. Soit j'ai pas retrouvé, ou alors j'ai dû passer devant la route sans se m'en rendre compte. Oui, The Legendary Kero. L'abomination du donjon, n'est-ce pas, Nico? Depuis tout à l'heure, j'ai cru lire. J'ai cru lire Kero au lieu de héros. Ah non, j'aime pas celui-là. Aïe. Est-ce que c'est plus ou moins random, j'ai l'impression? Il y a de la RNG dans cette attaque. Ouais. On va manger un Kero. Descends vite. On va sentir sous tes bras. Ah, t'as pas pu trouver la boutique? Ça remonte à loin, je sais même plus le chemin, je l'ai même pas trouvé, enfin je l'ai même pas trop cherché en même temps sur le génocide. Ah! Continuons de taper, hein. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Jusqu'à ce que je tombe sur l'attaque chiante. Aïe. C'est même pas les plus chiantes qui me touchent en plus. Ouh. Deux petites secondes. Bon, tant pis, je perds un peu de point de vie. Pas de temps d'énervement. Regarde un ami. Oui, tu le fais très bien. Est-ce que tu vas le faire devant la webcam? Non, ça ira. Appelle la kérobination, bah oui. La kérobomination. On va se soigner. Ah bah non. Ah maintenant on va se soigner, ouais. Allez, voir vos mères. Voir en quoi? Voir le roux, dégage. Voir le roux. Aïe. Tout va bien. Dis la chienne du maître chienne. Osera-t-il ne pas oser?
Je tape, je suppose. Eh oui, je suis très pissé d'œuf. Si tu étais revenu en arrière, tu aurais eu un game over. Je suppose que ça signifierait que nous aurions jamais été amis. Dans ce jeu, je le vois bien en sens ou flowé. T'as donné mon nom au maître chien. Pouf. Non. Faut pas croire tout ce que Kiro dit. Ne dis pas ça aux autres sens. Alors attends. Là, il y a juste sur le ciblage que je prends des risques et peut-être sur l'objet aussi. Voilà. Faut que je surveille où est mon cœur. Là, je trace ma route, je trace ma vie. Ça a l'air étrange. On s'en fout. Je perds des points de vie. Ah ouais, là je le sens mieux. Je crois que j'ai pris un dégât. Ah non. Ah, on refait. C'est de l'autre côté. On va se soigner, je pense. Non, je pense que ça tue pas dans le menu. L'os du menu. Aïe. Ah oui, mais ça fait mal par contre. Quand on a de la vie. Non, je vais être dans le sens de ces points, ce qui est complètement con. Faire des fiches de style, c'est la chose. J'ai pas dit que tu avais donné le nom, mais comme le chien n'a pas de nom, et ben il est tout trouvé. Reste déterminé. Pour changer. Bon, on avance un petit peu quand même. Lentement. Est-ce que je vais réussir à esquiver la première attaque? C'est l'expression. On dirait un type qui est mort... On en est qu'à 7 Non, wait. C'est 9, oui, il me semblait bien. On est bien d'accord. Putain, je fais pas le comptage des morts, mais je m'en souviens. Ou est-ce que c'était 10? Ah bah non, là, je veux dire, je suis sûr que c'est pas 7. Mais 9 ou 10 après, je laisse. Je crois qu'il est parti. Je laisse Valente au comté. Non, bah, je sais pas, il a pas reparlé, mais il a pas dû au revoir en tout cas. Attends, j'ai pas la souris au bon endroit, voilà. Oui. Je suis trop bas à chaque fois. Non, la technique, c'est pas ça, c'est pas ça la technique. C'est tout sauf ça. Faut aller du bon côté, c'est mieux. Il me faudrait un tuto de cette attaque en boucle, parce qu'après, le temps que je m'aperçoive que c'est cette attaque, j'ai pas le temps de m'y mettre dedans et dire « Ah, c'est ça qu'il faut peut-être essayer ». J'ai pas le temps d'établir une strat que je suis déjà mort. Oui. On va tondre la pelouse. Aïe.
Ah non, j'aime pas celle-là. En fait, faut que je saute, faut pas que je reste à marcher sur, entre guillemets, sur la plateforme. Je vais plus vite à gauche et à droite. Bon, je le sais, elle me charcute mon bras. on va attaquer, oui. Aïe. Bah oui. J'ai l'impression à l'aller, faut sauter, au retour, faut attendre. J'aurais peut-être dû me soigner. J'ai pas trop de points de vie en fait. Pas que ce soit une attaque chiante comme celle-ci. Oula. Je crois qu'il y a un petit peu de RNG dans cette attaque malgré tout. Je suis passé tellement près. Je vois juste des bâtons et des boules qui se fightent. Et pour la première fois de mon existence, je comprends pas un système tordu. Je sais pas de quoi tu parles, Kyo. C'est bien, j'arrive à taper en dehors du cadre quand même. Et la plot twist. Ah, en fait, faut pas taper en dehors du cadre. Oh. Peut rater, mais faut pas être mongol non plus. Ça fait être un peu court ce saut. Mais oui. Oh, mais je fais n'importe quoi. Voilà, je suis perdu, je fais n'importe quoi. Je savais pas si j'allais à gauche, à droite, donc j'ai appuyé sur les deux, donc du coup j'ai pas bougé, j'ai stressé. J'ai paniqué. Non, mais tu... Je crois que c'est pour cette attaque que je me sens quand même plus à l'aise avec un joystick, si c'est la bonne, j'espère. Voilà. Ça, pour ça, au clavier, je me sens pas du tout à l'aise. Donc j'ai l'impression de jouer, de bouger à 360 degrés, même si c'est pas du tout le cas. Un petit soin quand même. C'est mon dernier. Non, faut pas rester au milieu, ça me semble... une mauvaise idée. Non, je l'aime pas ça. Ah, on l'a pas fait deux fois ce coup-ci. Non! Oui, la clé, merveilleux. Ah, dans le doute, j'appuie sur haut et bas, ça passe. j'ai déjà streamé du Chroma Squad. Ah, Chroma Squad! Eh ben, j'ai fait une série complète sur le jeu, c'était la première. Que tu pourrais trouver sur YouTube. Ça marche les deux. Je me trompe, du coup j'appuie vite sur l'autre et ça passe. Non,
toute façon, je m'en fous, j'ai plus de vie, tu peux me mettre des os. Ah, là, je sens que ça va être le joystick. Voilà. C'est tout de suite un peu plus gros. Quelle heure qu'il est? Oh, on a un peu de temps, quoi. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Reste déterminé. Di-da-di-da-di. Bon, on en est à 11, 12... Il est où, mon compteur? Invitons tous nos amis pour quelque chose. On pourrait avoir de la tarte du chien chaud et... Attends, quelque chose ne colle pas. Tu n'as pas d'amis. Oh, j'ai presque trouvé la pose... Ah, en tout cas, me prendre tous les tirs, ça j'y arrive. Il faudrait faire une run inversée. Aller dans tous les tirs sans en louper un seul, je ferais une super run. J'avais pas amené mes amis, c'est pour ça. Ça fait 11 fois que je suis mort. Apprendre ou à laisser. N'espère pas que je sache que très bien compter à partir de maintenant. Compte pour moi. Oh non. Bon, tu fais bien de me le dire maintenant, parce que sinon... On va commencer à 12. On en est à combien? 11 ou 12? Ah oui, je suis mort 11 fois, donc là c'est la 12e. Très bien. Je suis prêt, oui. Peut-être. Je suis prêt à me prendre tous les tirs, oui. Non, faut que je reste au centre. Ok, je me... J'y retourne bien dedans, quoi. Je vois que je me trompe, mais je continue à esquiver. Ah, pas esquiver, justement. Même les trolls du stream sont rectes, sauf le boss final, le grand. Kiro! Ne perds pas espoir. Ah bah oui, je suis déterminé à mourir, oui. Du coup, j'arrive à esquiver tout le truc avant, mais du coup, j'arrive plus à esquiver après. C'est pas que j'arrive pas à esquiver, c'est que je n'essaye pas d'esquiver. Je fonce droit au but. Allons au vif du sujet. Pourquoi pas. Pour info, on en était à 12. Je reste au milieu, je vais au bord, je reste au milieu, je vais en bas. Bah, faut que je gueule, en fait, pour que ça marche. On va quand même se soigner. Oula, des phases qu'on n'a pas fait depuis un moment. J'avais oublié qu'il y avait tout ça. Bon, je m'en prends un, c'est toujours... Non, là, c'était une très mauvaise idée d'y aller tout de suite, en mode YOLO. Surtout que j'aurais besoin de récupérer ma vie après, quoi qu'il arrive, donc... Bon, au moins, je suis pas mort. Oula, j'étais vraiment sur le bord de la plateforme là. C'est ça l'astuce, c'est qu'il faut en fait pas aller sur les plateformes. Ah. Et sur celle du dessus. Oh, j'aime pas ça. Oh, nye, nye, nye. Non, je ne veux pas. Je fais n'importe quoi. Il a compris que j'aimais pas ce truc. Oh, nye, nye, nye. Aïe. Je
Aïe. Ça gratte. Un peu risqué là. Non. J'ai réussi à passer en deux attaques quand même, c'est pas mal. Non. Je me soigne beaucoup trop. Qu'est-ce que ça sera si j'avais pas 99 d'armure? Qu'est-ce qui va m'arriver après? Il y a un truc, faut pas que je bouge, après je saute. Après j'esquive la petite plateforme. Ok. Où il y a d'abord les... Je lève les bras en haut en bas ces soirées-là. Je sais plus. Chaque fois ça me fait peur, je dis non, je vais pas y arriver. C'est fini. En plein centre. Ça sert à rien. On reprend la manette. Je me jette en plein dessus. On se croirait à un début de combat de il y a quelques temps. Est-ce que j'ai bien fait de pas me soigner? Non, j'aime pas cette attaque. Oh, merci. Ah, attends. Je vais être sur item ou sur fight, là? Je sais même pas. Bah, sur... Ça va être les gros lasers, là. Perso, ça me rappelle juste des BZ. Aïe. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Oh mon dieu, l'angoisse. Un truc que je connaissais pas forcément. Enfin, que je connaissais, mais que je m'y attendais plus. Salut Ken le Cool. Comment ça va bien? Un souci? Non? Ça va? Allez, encore une dizaine de minutes. Ouais, c'était déterminé. Petit chat. 13, je crois. Ah, ta gueule. T'as du mal, Kero. Milieu. Tremblement de terre. Oui. N'importe quoi, oh, cette attaque, j'arrive vraiment pas quoi. Oh. J'ai esquivé le dernier, c'est déjà ça. Ah bah bravo. Si,
non. Vu que c'est un génocide, pas la peine de préciser qu'à la fin il y a des choses. Un petit soin, ça sera peut-être pas trop. Histoire de se rassurer un petit peu. Non. Non, fallait pas descendre. Oh, je m'impressionne là. Je vais me réveiller. Oui, à la fin, il y a la fin. Il y a des crédits. Pas passer loin là. Oh, ça va les deux. Je vais me mettre tout en haut. Si vous voulez faire que les deux premiers rangs. Je suis tranquille en bas, on fait pas chier. Là, je suis sans cesse délogé. On va pas commencer la trêve hivernale. Ou le début du commencement, s'il te plaît. Oui, quelle est ta question ? Il se passe quoi si j'appuie sur ces boutons, sur ce bouton ? Quel bouton ? Bien, tu deviens un des followers de ma chaîne, merci à toi et bienvenue. Ça te donne le droit de recevoir du spam par mail et quoi d'autre ? Merci pour le follow en tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Ça te permet entre autres de voter sur les stream polls. Pour décider des jeux auxquels nous jouons les jours à venir. Les votes, en fait, tu viens de les voir passer juste après que tu sois arrivé. Non, c'est pas ça, c'est les réseaux sociaux, ça. Avec point d'exclamation vote, tu peux voir la liste des différents votes en cours. Par contre, il faudra peut-être un petit délai le temps que StreamPoll comprenne que tu es follow. Non, fallait pas que je bouge. Aïe. On va pas se soigner. Une paix. Non, faut que je prenne la manette là. Aïe. Je vais mourir. C'est bon. Je savais que j'allais y arriver, évidemment. J'étais déterminé. Oh. C'est bien la première fois que j'esquive tout. Ah, dommage. J'ai failli survivre.
Tu m'impressionnes. Ou plutôt avec ça. Ça, j'aime presque cette attaque. Mais elle n'est pas encore rapide. Je vais regretter après. Le pistolet vide. Je vais faire ça plus souvent parce que je le vis bien. Ça par contre, des fois ça passe, des fois non. C'est les gros, c'est les gros. Si j'appuie pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça loupe, est-ce que ça attaque pas du tout? Ah non, c'est cette attaque qui m'a tué tout à l'heure. Ah là, non, ça faut pas que j'y fasse au clavier, ça. Faut pas que j'y fasse au clavier. Valenteo, encore lui, il est partout. Enfin là, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, mais... Ça, faut pas que je le fasse au clavier. J'y arrive pas. Enfin, j'y arriverai jamais. C'est comme les lasers. Allez, dernier try. J'ai sauté beaucoup trop tôt. Impatient que je suis. On se voit à la première au moins. Allez, un petit soin. J'y arriverai jamais à celle-là. Jamais. Jamais de ma vie. Ah, j'ai cru que j'avais validé la clé. Je crois que je vais la ranger dans... Je vais la ranger dans le coffre de clé. Je vais me racheter un autre objet de soin si j'ai encore du pognon. Ah putain, hop, ouh, c'est pas passé loin. Ah dommage. C'était presque parfait. Je savais que ça allait pas passer, j'ai rien fait pour que ça change. Ouais, même l'écart entre les os, la vitesse, tout change en fait. Oh. Voilà. Oh, je suis allé trop vite quoi, genre. Alors c'est possible de les rattraper. Aïe. Me soigner.